Vous pouvez me le demander, il n'y a pas de souci. Au contraire, c'est ça avec les points. Voilà. Donc, bah allez, on est parti pour un nouvel rediff sur Football Manager 2021. Donc, on va continuer avec le Stade Rennais cet après-midi, tranquillement. Donc, jusqu'à 16h. Au lieu de 16h30 comme prévu, on va ramasser d'une demi-heure à cause de la deuxième partie où il y a des petits changements de dernière minute à cause d'un nouveau jeu. Voilà. Donc, on est parti. Donc, aussi, il y a le dernier match que vous n'avez pas vu en vidéo. Donc, c'est le match contre Guingamp. Bon. Parce que le live, il a coupé, il a crash au milieu et ça m'a fait chier. Ça m'a emmerdé en fait. Comme il avait crash et que ça a coupé, que ça faisait deux parties, ça m'embêtait. Donc, officiellement, on a perdu 4-1. Voilà. Trois fois à vous le dire. Donc, voilà, voilà. Donc, allez, on est parti contre. Prochain match, on va jouer contre Reims, tranquillement. Donc ça c'est catastrophique par contre la défaite qu'on s'est pris. Ouais. Catastrophique oui non. Je croyais que ce serait plus grave que ça en fait. Parce que l'OM a fait match a gagné 1-0, ouais. L'OM a gagné 1-0 et Lyon, ils ont fait match nul. Donc c'est moins grave que prévu. Et Toulouse qui est encore dans le top 10 cette année pour l'instant. En termes de saison, ils font une saison moins bonne que l'année dernière. Ah, ils ont fait une modernisation des structures de formation, ça c'est bien. Ah, bah, je suis con, c'est moi. C'était avec moi. N'importe quoi. Ouais, ils sont dans le top 10. 4 années au. 4 années en Ligue 1 et 4 années dans le top 10. C'est bien. C'est très bien. Fin de bonne saison. C'est moins bien que l'année dernière, mais c'est bien. Ça peut aller. Par contre, j'allais voir les clubs un par un. Parce que. Voir ce qu'ils ont fait de nouveau dans leur club. Événement marquant. Déménagement au stade de Leno terminé. Déménagement au stade de Lamia AC terminé. Ouais. Ok. Donc ils ont changé de stade. Ils ont un stade tout neuf, Amiens. Angers. Montant en termes, ouais. Le président Saïd Chaban quitte son poste. Prise en fonction du nouveau président Saïd Amos Consortium. D'accord. Et je vais voir s'il y a des changements par le transfert parce qu'ils ont eu un consortium. Ouais, c'est pas. Ah, si! Ah, si, si! 29 millions, ils ont dépensé. Et c'est en quelle année qu'il est arrivé le consortium? Attendez. 15 juillet 2024. C'était il y a un an. Et depuis que le consortium est arrivé, ils ont dépensé 15. Ah, regardez, 3 millions. Ils se sont mis à dépenser des sommes. Ouais. Ensuite, Monaco. Amélioration des formations des installations. Ouais. Saint-Étienne. Tentative de rachat de Bernard Carrezio échoue promotion interne. En tentative, ouais. Tentative prise de fonction. Le président Romain Meilleur, promotion interne. Ok, ouais. Amélioration de la formation et des installations. Ok. Amélioration de formation des installations à Brest. Ouais, ça c'est Dijon. Montant en termes. Ouais, président Olivier Décourt quitte son poste. Ça a été racheté par un consortium avec Morten Rabeck. Ok. Et ça a fait quoi côté transfert? C'était le 19 mai 2023. Ouais. À 4 600 000 en 2023. Ouais, ils ont dépensé un petit peu quand ça a été racheté. Ok. Ok. Guingamp. Prise de fonction du nouveau président, Thibaut Bernard, consortium. 13 juillet 2023. Ah, demi, ouais. Ok. Guingamp, amélioration des. Ouais. Non, tu parles de Guingamp. Bon, il n'y a rien d'exceptionnel ici à Sochaux. Lille. Amélioration de la formation des installations. Ouais, bah ça voilà. Amélioration de la formation des installations à Nice. Amélioration des formations et des installations à Lyon. Il n'y a rien d'autre. Marseille. Amélioration de la formation des installations et la tentative de rachat de Nicolas Balloni et Fichou. En 2024. Ok. Paris Saint-Germain. Amélioration, ouais. Bon, je pense pas qu'il de à part l'amélioration, c'est normal. Par contre, ils ont pas mal de choses. Bon, ils sont des champions de Ligue 1, eux.
Lens, il n'y a rien d'exceptionnel. Reims, non plus. Rennes. Donc le club a failli être racheté plusieurs fois. Ah! Nenarda, François Pinault qui a vendu à Nedzarda Gvranić. C'est qui lui? What? Je le savais même pas. Il appartient plus à Pinot, le club, en fait, depuis 2021. C'est des Serbes, les propriétaires du club. D'accord. J'ai même pas remarqué que c'était plus Jean-François Pinault, le propriétaire de Reims. Je l'avais même pas remarqué. De Rennes. Hop. Tac, clean meuf. Ouais, on s'en fiche. Ok, on continue. Le prochain match, c'est contre Reims. Donc, on a quand même perdu 4-1 contre Guingamp, si vous vous souvenez, le match d'avant. Catastrophique, c'est pas normal de perdre autant. Donc, bon, c'est la vie, mais bon. C'est anormal, même. Donc, là, on va quand même bien avancer aujourd'hui, je pense. Jusqu'à 16h, il n'y aura pas trop de problèmes. Donc, voilà. Et après, bah, ce sera la semaine prochaine, la suite de Football Manager 21, lundi prochain. Voilà. En sachant que je vous préviens, jeudi prochain, il n'y aura pas de live. Si, il y aura un live, mais en matinée. Donc, les live consoles, ça va durer 3 heures. Et je pense que ça risque d'être. On verra ça, mais je pense que ça risque d'être lundi, mardi, mercredi. Les live consoles. La semaine prochaine. C'est même presque sûr. Ce qui veut dire que Football Manager risquerait d'être présent. Je vous explique. On risquerait d'être présent en réfléchissant, ça risquerait d'être présent jeudi matin, je pense. Ça va être comme ça la semaine prochaine. Voilà. Donc en début de matinée, vu que j'ai rendez-vous à 16h. Vendredi, je sais même pas comment ça va se passer le stream, je suis en train de penser. Je sais pas si je suis en formation dès vendredi ou si je suis en formation lundi. Donc vendredi, je sais pas. On va essayer de prévoir un stream, mais je ferai des horaires spéciaux, je pense. Parce que je peux pas le savoir en avance. Malheureusement. Kevin Danois. 15 matchs, un but. Ouais, 6,80, c'est bien. Émilie Durand à Béziers. 22 matchs, un but, une passe décisive, 6,76. 29 matchs en tout, ouais, c'est bien. Tac, là. Ouais, ils ont tout changé. Ok. Donc, toi, on verra ça samedi. Comment on fera pour vendredi prochain? Je sais même pas comment ça va se passer. Ah ouais. Parce que peut-être que. En fait, la formation que j'aurais dû faire début juillet, elle pourrait être décalée début. Elle pourrait être présente début. Comment expliquer? Là, à la fin du mois. Mais dès vendredi prochain, en fait. Donc, c'est pour ça que je vous dis que. Possibilité qu'il y ait. Voilà. Donc, ça m'intéresse pas. Donc, là, ce que je vous ai dit, la formation qui était prévue avant, c'était. La mise en valeur de soi, donc ça va se présenter en fait aux entretiens et tout. Voilà. Et ça va se vendre. Donc ça, c'est normalement, je sais pas quand ça va commencer, mais j'ai rendez-vous jeudi prochain. Voilà. Allez, continue l'affectation. Là, on continue. Là, on retire de la sélection. Il n'est pas assez fort. Là, on retire de la sélection. On continue. Là, on ajoute. Là, j'ajoute aussi.
Ça, il a déjà changé, je sais pas combien de fois de club, lui. Continuer affectation. Continuer. Là, on s'en fiche. Réunion de recrutement. Continuer affectation. Ça, on fait tout ça comme d'habitude. Ça, on change pas les habitudes. Voilà. Ah, le PSG a battu l'OM de justesse, 2-1. Il y a eu 1-1. C'est une quand qui est passé en demi. Ok. Contre la SSE. Donc là, bon, de toute façon, on avance petit à petit vers la fin de saison, les gens. Il reste plus que des matchs de Ligue 1, de toute façon, là. Donc, voilà. Plus que ça à faire. Avancer tranquillement. Malheureusement. C'est la vie, les gens. Donc, voilà. Donc, c'est comme ça. Quatre messages. Non. Ouais. Félicité, Lucius. Tac, terminé. Cyprien, c'est bon. Oui. Il nous reste combien de matchs avant la fin de saison? Ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14. Il nous reste 14 matchs, ok. C'est déjà pas mal. Normalement, dimanche matin, il n'y aura pas de live cette semaine. Si tout va bien, parce que je sais pas. Ouais, vraiment, je sais pas. On verra. Hop. Je voulais voir quand c'était le 8 novembre cette année. Le 8 novembre, c'était un lundi. Ah, ça m'embête un peu. Je voyais ça. Comment on va faire? C'est un lundi, donc faut que je regarde ça. Comment on va faire? Peut-être que le week-end d'avant, il risque d'avoir un 2 fois. Pas 2 fois 12 heures, peut-être un 12 heures le samedi pour l'anniversaire. On verra. Quand tu as de la sélection. Là, on retire de la sélection. Donc voilà. On verra ça quand on fera. S'il y a un 12h de lag, bah tant mieux. Bon, on n'est pas au mois de novembre, donc c'est bon, mais on verra. Bon, ce début de live, il y en a un qui est encore pas là, c'est Mickey, là. Après, bon, si vous êtes pas, si ça parle pas, ça change pas grand-chose pour vous, mais. Tac. 13 messages. Continue l'affectation. Là, on continue. 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 Là aussi. Là aussi. Tac, retiré de la sélection. À la fin du mois de février, si c'est sur ce live, sinon ça va être au prochain, c'est pas grave. On ira voir les Coupes d'Europe, voir ce qu'ils ont fait les Français. En Ligue des Champions, en Eurocup et en Eurocup 2. Donc en Euroleague, en Europa League et en Europa League. Voilà, en Europa League, en Euro Conference League. On ira voir après. Donc voilà. Et ça, on verra ça le 1er mars. Parce qu'il n'y a pas besoin de regarder tous les jours, ça sert à rien. En vrai. Tac. Là, c'est pareil, on continue les observations. Comme d'habitude. Là, je laisse à la sélection. Ferroni, on le retire de la sélection parce qu'il n'est pas assez fort. Toi, je te laisse à la sélection. Là, on continue. Là aussi. Là aussi. Là, je t'ajoute. Là, t'as un bon niveau, toi. Là, je t'ajoute aussi, mais on verra ça à la fin de l'année. De toute façon, continuer. 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 Là, on continue aussi. Là, on continue. Là, on continue. Tout ça, on va observer. Par contre, j'ai pas été voir un truc cet hiver. C'est vrai que le mercato est fini. J'ai pas été voir ce qu'ils ont fait Toulouse au mois de janvier comme transfert. Janvier, ils ont signé Kanute Feyenoord.
Ouais. Et Tonkani de Chelsea. Petite pépite. Et côté départ, il y a eu le départ de. Allez, André Frances au club de Bruges. D'accord. Donc j'en veux du Frances. Alors, ils ont fait un bénéfice. Je l'ai acheté 950 000. Ils l'ont revendu 9,5. Donc ils ont gagné de l'argent aussi. Et l'équipe première, bah, c'est toujours la même. Sacha Dubois qui joue dans le club. Selmani qui reprend le. C'est un peu bizarre. Selmani rejoue. Bah d'accord. C'était l'autre gardien, mais vous ne jouez plus. Bah, c'est bizarre ce qui se passe. Anthony Rouault, bah, il continue à jouer cette année avec comme l'année dernière. Gabriel Nielsen, bon bah ça change pas. Donc Alves, il était enlevé, il est revenu. Kanouté, c'est un nouveau, ça c'est un nouveau. Manu Koné, bah, il continue à jouer à Toulouse. Moïskine, c'est un nouveau, bah ça c'est un nouveau, c'est celui à de Rennes. Qui a été prêté là-bas. Colombo, bah, c'est celui que j'ai acheté. 24 matchs, 14 buts. C'est une très bonne saison, l'attaquant que j'aurais cité. J'ai pas fait de le reprendre. Ça, c'est qui ça? Ah oui, c'est le jeune gardien, d'accord. Diakité, bah, il joue pas plus qu'avant, en fait. Ah oui, il joue même moins que l'année dernière. Il joue de moins en moins, le Diakité. Ranocchia. Ouais, c'est comme d'habitude, c'est un remplaçant de luxe. Mayombi, c'est un nouveau, ça, à vue d'œil. Ouais, il est arrivé cette année. Hansen, bah, il joue moins aussi, vu ce que je vois. Bah, il joue moins que l'année dernière, ça, c'est sûr. Mais il est quand même, ouais. Bissek. Oh là. Ah, mais il joue beaucoup moins. Van Bommel. Ok, c'est un remplaçant, maintenant. Wesley Saïd, il joue plus non plus. Ah ouais, il est remplaçant maintenant. Ça, c'est un joueur que j'aurais pris. Est-ce qu'il joue au moins? Ouais, il joue avec la réserve et la grosse en même temps cette année. Non, ça, c'est. William Goebbels. Alors, c'est comme l'année dernière. Il joue avec les deux. Bah, Moussa Sissoko, il va prendre sa retraite. Mais est-ce qu'il a au moins joué une fois? Ah, il a acheté une fois cette année. Les Seka, bah, il va partir. Hey, j'ai rêvé, oui, par Metz. Hey, il retourne à Metz. Dans son club où il a été prêté 2 ans. Ouais, bah cette année, il a pas joué une seule fois en fait. Je comprends mieux. Sidibé. Ouais, il joue presque plus aussi. Par rapport à moi. Ensuite, dans la réserve, il y a qui est parti en réserve dans leur équipe? Il y a Steven Mbwe qui est parti en réserve. Steven Mbwe qui est parti jouer en réserve cette année. Oh. Sinon, il y a qui d'autre? À part Mbappé, ouais. Ah si, il y a le gardien numéro 2 que j'avais l'année dernière. J'avais même pas remarqué qu'il est parti en réserve aussi, lui. D'accord. D'accord. D'accord, ça a complètement. Ça va pas complètement changer. Ils ont quand même une base de l'effectif que j'avais l'année dernière, mais bon. C'est normal que ça change. Tac. Après aussi, ils ont changé de tactique. Julien Stéphan ne joue pas comme moi. Julien Stéphan, il joue en 4-2, en 4-3-3. Moi, je joue en 4-2-3-1 à Toulouse. Bah, la même tactique qu'Arène, en fait. Tout à fait la même. Donc, ça change pas grand-chose par rapport. Au club parce qu'on a la même tactique donc voilà donc bon bah, c'est quand je suis arrivé à Rennes là c'est une année de transition pour l'instant à Rennes cette année l'année 2000 cette saison la première saison de Rennes c'est une année de transition en vrai ça va être l'année prochaine qu'il y aura des quelques nouveautés au club en vrai allez Valentin Rougier à la place de Hop. Cyprien à la place de Fofana et Castillejo à la place de Bourigeaud. Ok. Ok. Après, c'est vrai qu'il y a Koulouis qui est venu m'accompagner à Rennes cette année. Il a fait. En fait, il est toujours été avec moi. Depuis le début de Football Manager 21, il a toujours été avec moi, Koulouis.
Mais si je m'en vais de Rennes, ça veut pas dire que c'est lui qui viendra avec moi l'année prochaine. Là, j'ai récupéré de Toulouse parce qu'il avait fait une bonne saison. Mais ça ne veut strictement pas dire qu'il viendra avec moi l'année prochaine. Si je m'en vais. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être plus fort à Rennes, des joueurs plus intéressants à Rennes financièrement pour le futur club si je m'en vais à la fin de l'année. Bon, je pense pas que je m'en aille dès la fin de l'année, mais tout peut arriver en vrai. Donc voilà. Tout peut arriver, genre. En vrai, strictement tout. Hop. Bon, je pense pas que je m'en aille là. Si je vais voir, mais. Bon, bah, on enlève Cyprien parce qu'il est pas là. Tac, voilà. Bah, Biggie, je peux déjà l'enlever parce qu'il est pas là. Dingue, un but là. Voilà. C'est quoi que je... Il y a qui comme serveur au club? Il y a Slama avec par Nice, OM, Inter, Sporting Sevilla, ouais. Rongier par Crystal Palace, West Ham, Shandong. Sagnor par Rettafe. Glazer par Charleroi. Cyprien par West Ham. Hugal par FC Saint-Pauli. Ok. Je suis sûr qu'il va y avoir des nouveautés. Là pour l'instant, cette année j'ai un budget de 65 millions actuellement. Mais bon, on verra ça plus tard dans l'année parce qu'effectivement, côté. À part les pépites, s'il y a des pépites intéressantes, je négocie avec eux, sinon non. Maxwell, Cornet. Bon, j'ai pas fini de l'observer donc c'est pas la peine. Toi, je te retire. Continue l'affectation. On continue. Là aussi. Là aussi. Là on continue, là on continue, là aussi, là on continue. Voilà. Un message. Ivan Fiolik, ouais. Ah bon, je joue contre l'AS Monaco, le prochain match. Ok, cinquième. Hop. Allez, un message. Ah, Moloen qui a gagné contre Monaco 3-0. Et ça relance même le championnat parce que l'OM il revient à 9 points de Paris en vrai. Vu que Paris a refait un match nul là. C'est en train de se resserrer devant. Lorenzo Colombo, le nouvel attaquant de Toulouse, qui est le troisième meilleur buteur. Ça fait bien. C'est pas mal ça. J'aime bien. J'aurais fait signer un jour avant de partir et c'est le 13e meilleur buteur du championnat. C'est stylé. Ouais, c'est. Ouais, on va le laisser partir. Allez, on a cette bluff, hop. Par contre, j'ai pas été voir, c'est les historiques. Tous les records qu'on a eu. Plus grand de buts inscrits, toute compétition. Ben Yedder, elle était avec 19, Erling 41, Cristiano Ronaldo 28, Denis Gomez 27 et Moussa Dembélé 10-15, d'accord. C'est que du 3-4-4-4-4, ouais. Cuissance, Ryan Cherki, Gomez, Cherki. Bah c'est Gomis, après c'est Donnarumma. D'accord. Mbappé, Neymar, Jérémy Boga, Neymar. Thauvin, Cuissance, Neymar, Jérémy Boga, Cuissance. Plus jeune joueur, ouais. Il y a eu Toulouse là. Ah oui, Sacha Dubois, bah ouais. Joueur le plus âgé. Cristiano Ronaldo, 39 ans. Lol. Buteur le plus jeune, ouais. Ah, c'est le même les deux dernières années. C'est Esteban Olivier à chaque fois. Il y a eu Alexis Ntamack aussi la première année. Eduardo Camavinga qui est parti. Buteur le plus âgé, Ronaldo. Et là, cette année, c'est ouais, c'est un Jean Damien. Ouais, ça va.
Ok. Nombre de buts marqués par une équipe. Ça a toujours été PSG, 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 PSG. Là, cette année, c'est l'OL. Ouais. Metz, Lorient, Le Havre. Ok. OL, Paris Saint-Germain, OL, OL et Lille. Zéro. De toute façon, il y a OM Nîmes, PSG Bordeaux, PSG Le Havre, OM Saint-Étienne et PSG Nantes. D'accord. Et l'affluence, bon bah c'est toujours l'OM, ce qui est normal parce qu'ils ont le plus grand stade de France. Et c'est toujours l'OM, c'est normal parce qu'ils ont le plus grand stade de France. C'est la même raison en fait. Voilà. Ok. Et aussi que les supporters de l'OM, ils sont très. Ça a toujours été un peu spécial, l'OM, en fait, avec leur stade. Ils ont toujours été pleins. C'est toujours été des supporters derrière leur club, donc c'est normal. Et ça se revient dans le jeu, ça refait au même. Ça revient au même dans le jeu, en fait. Aptes physique, Ulgan ne peut pas venir. Par contre, Gobo aussi, oui. Là, on continue l'affectation, là aussi. Là aussi. Là aussi. Là aussi. Là, on le retire de la sélection. Là, je continue l'affectation. Là aussi. Merde, j'ai fait une petite erreur. Là, je le retire de la sélection. Merde, j'ai fait une connerie. Merde, elle continue. Là, je le laisse. Il a quel âge? 21 ans? Ah non, il est 21 millions d'euros. Si c'est pour renforcer, pour piquer des pépites, ça fait cher. Tac, on continue l'affectation. Continue. Là, on continue aussi. Là, on continue. Et là, ajouter la sélection. Bon, il a déjà 24 ans, lui. Donc, bon. Par contre, ça pourrait renforcer le milieu offensif. Je sais pas. Parce que là, c'est lui, c'est le cinquième qui joue. Ouais. Ouais, pour l'instant, ça vaut pas vraiment la peine, on va dire, par rapport à mon équipe actuelle. On va le mettre de côté aussi, mais voilà. Donc, j'ai vu que Ulgan ne pouvait pas venir. Par contre, Gobo, oui. Donc, Ulgan ne peut pas venir. Cyprien, je ne l'ai pas vu. Cyprien, je ne l'ai pas vu. Attendez. Test physique. Non, donc il peut rester sur le banc, Cyprien. C'est juste une maladie, c'est pas très grave. Ok. Allez, on valide et on y va. C'est parti pour ce match. Allez, faisons ça. Bah, c'est sûr que s'il faut comme le premier match de la saison, le match avant, hier en fin de live, qu'ils ont gagné, perdu 4-1 contre Guingamp, ça fait mal. Donc voilà. J'espère que le résultat va être meilleur là. Quand même. Donc je disais, ouais, on va arrêter une demi-heure avant sur FM. Pourquoi? Parce que j'ai décidé. Bah, je vais arrêter une demi-heure avant à cause de. Comment ça s'appelle? Du jeu, des deux jeux de live, de fin de live. Voilà. Donc comme je dis, je vais faire une heure chacun pour voir ce que ça donne. Donc voilà, essayez de faire une heure chacun. Et après, bah, les deux jeux, ça va faire comme ça va faire comme pour Star Mancer il y a une semaine et demie, ils sont remontés pour être postés sur la chaîne Kavel. Voilà. Et la semaine prochaine, rediffusé sur YouTube. Kevski en mode non remonté, en mode rediff normal. VOD. C'est ça l'objectif. Donc cette semaine sur Kavel, il risque d'avoir 3 vidéos. Peut-être une demain soir, une mercredi soir et une jeudi soir. Donc voilà. Allez, on reprend la deuxième place du championnat pour l'instant. Grâce à cette victoire. On revient à 9 points du PSG. Aussi. Mais bon.
Faut pas rêver, on sera pas champion de France, c'est pas l'objectif. En vrai. C'est pas du tout l'objectif, en vrai, ça c'est sûr. Donc aujourd'hui, on sera très jeu de Jessio, je vous le dis tout de suite. Allez, on gagne 2-0 face à Reims. Donc ça, c'est bien. Donc on continue à avancer. Allez, vestiaire, on est parti. Vous avez l'opportunité. Donc faut savoir aussi, c'est pour vendredi. Donc vendredi, j'ai prévu F1 toute la journée. Ça dépendra aussi s'il fait chaud. Là, pour l'instant, il fait frais, ça va. Donc aujourd'hui, j'aurais pu faire du F1 toute la journée. Mais vendredi, peut-être qu'il fera un peu plus chaud. Donc on verra vendredi. Voilà. Et à partir de cette semaine, on revient un peu plus à mode 3 jours de live sur PS4 et Switch. Là, cette semaine, il y a Switch en plus. Voilà. Et ça, on verra ça à partir de demain. Demain, mercredi et jeudi. Et Viren, si Glick il est intéressant le jeu, que bah de toute façon je vais faire 2 ans, je pourrais pas le faire en français, c'est sur Switch, donc c'est mort. Mais si Glick il est très intéressant comme jeu, on le fera en let's play à partir de. On fera la suite quand Eviren sera terminé en fait. Voilà. Si le jeu il est intéressant et que vous aimez bien sûr. Parce que si vous aimez pas, ça sert à rien. Et le jeu patron, bah, il prendra. Bah, on verra ça. Ça va être en alternance avec Planet Coaster, Football Manager 21, je pense. En vrai. Bah, ça dépendra s'il y a d'autres jeux indépendants à présenter, bien sûr. Là, cette semaine, il y a 4 jeux, mais. Il y a 3 jeux cette semaine, mais peut-être qu'il y a des semaines, il y en aura 0. En vrai. C'est ça hein, qu'il faut penser. Et malheureusement, il y a des semaines, si je suis en formation, j'aurais même pas le temps en vrai. Donc, s'il y a une formation, on regardera les jeux indés pour les proposer, les présenter, mais il n'y aura pas de vidéo, il n'y aura rien. En vrai. Et ça, on verra ça dans les semaines suivantes. Voiture, on met, je vais mettre Alalinka et on va rentrer Clovis. Ensuite, William Cyprien à la place de Fofana. Et j'ai pas fait gaffe, mais je rentre Glazer déjà. Bon, d'accord. J'ai pas fait gaffe. J'arrête pas de parler, j'ai pas fait gaffe en fait. Bon, c'est pas grave. Ce n'est pas très grave en fait. Et pour la vidéo pour la vidéo de. Je vais voir si je vais pas essayer de me filmer avec mon portable pour la vidéo, parce que ma cam pour les vidéos de présentation. On va voir. Pour l'outro et l'outro des gameplay. J'y réfléchis parce que la cam c'est différent. Déjà, la qualité n'est pas la même. On verra ça. Bon, de toute façon on gagne 2-0. Je suis très content du résultat de votre prestation, donc c'est impeccable. Donc ouais, on a une victoire 2-0, donc c'est normal que je sois content. Ça c'est bien. Voilà. Donc on reprend la deuxième place du championnat derrière le Paris Saint-Germain à 9 points du PSG. Vu que le PSG a fait match nul contre Strasbourg. Donc voilà. Allez, on continue. Continue. Donc prochain match c'est contre l'AS Monaco, 6e du championnat. Hop, on a 16 messages. Les joueurs de Rennes dominent et s'imposent. Ouais, Landreau peut bavard. 1,5 million pour Lens pour le transfert de Fofana. Donc on a dépensé 1,5. Putain, ils ont gagné 5 à 1 Lens. C'est pas mal.
Et Toulouse, ils ont joué quand eux? Bah c'est la 25e journée, c'est. Ils ont gagné 2-1 contre Lille, d'accord. Ah bah tiens, c'est la 25e journée. Olaninka, c'est le 5e meilleur buteur avec 13 buts. Marvin Vatio, il a 10 buts. Voilà. Merde, j'ai fait n'importe quoi là. Ensuite, note moyenne. Il n'y a aucun René. Ah oui, il y a Achraf Hakimi à Paris, c'est vrai. Bon, ils l'ont acheté beaucoup plus cher dans le jeu qu'en vrai. C'est en vrai, ils l'ont acheté 60 et dans le jeu, ils l'ont acheté 126 millions. Donc voilà. Castillejo. Ouais, il est à 5 passes décisives. Homme du match, il s'est cuisé. Il y a Wellingka qui est à 3, ouais, c'est pas exceptionnel. Cage à violet. Ryan, il a 7 matchs sur 22. Et carton jaune. On a Kahneman qui a 6 cartons jaunes. Et il s'est calmé depuis. Parce qu'il était premier à un moment. Et en phase, Rennes a la deuxième meilleure attaque du championnat derrière Lyon. Par contre, côté défense, on est sixième. Septième. On est septième défense. Donc voilà. Ensuite, à domicile, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9e. À l'extérieur, on est premier. Première partie de saison, ben, on était troisième. Et la deuxième, seconde partie de saison, on est premier. Donc voilà. Et sur les 5 derniers matchs, on est troisième. Bon, ça va. Ça va. Les statistiques sont pas mal. Et Rennes 2 est premier. C'est Stade Briochin qui remonte pour l'instant. Ok. Hop. Allez. Donc là, prochain match, comme je vous l'ai dit, c'est contre Monaco. Donc, tranquillement, Diallo. Nancy, 3 matchs, un but. Il joue très peu à Nancy, mais bon. Enfin, c'est pas très grave encore. C'est quand même mieux de jouer en Ligue 2 que... Ouais. Ensuite, lui, il est à Concarneau, il a fait 2 matchs, un but, 7,50. Ouais. Et Kylian Gasny avec Vendée Habillé, il a fait 19 matchs, 6 buts, une passe décisive, chaque fois du match, 7,32. Bah, ça va. Tout va bien, lui. Tac. Allez, on continue. Allez, encore un message. On s'en fiche. Il n'y a pas grand-chose à voir. Ici, continuer l'affectation, continuer. Là, on continue aussi. Là aussi, là aussi. Là, on continue. Là, on continue l'affectation. Là aussi. Ici, il n'y a rien à faire. Et là, on continue les affectations. Tac, continue l'affectation. Là, pour l'instant, c'est j'ai commencé. Là, on continue. Là aussi. Observez. J'ai commencé. Eh ben, ils sont en train d'observer Gravenberch. Je suis pas sûr que vous avez les moyens de le récupérer ce Gravenberch. Oh ouais. Pas du tout même. Hop. Allez, on continue. Allez, on a 4 messages là. Rien à faire. Ok. On a encore 10 messages. Allez, on continue. Là, on continue. Là aussi. Là aussi. Là, on a fini de l'observer, donc on va le mettre de côté. Là, on continue. Là, on le retire de la sélection. Là, on le met de côté. Non, il y est déjà. Il était parti en Chine, lui. Il a fait City, après il est parti en Chine et il est revenu en Europe à Wolfsburg. D'accord.
Continuer. Et là, on le retire de la sélection. Voilà. Faudrait que, ouais, faudrait que je voie ça aussi pour. Donc, on va lui dire au revoir de toute façon. Vu qu'il s'en aille, parce qu'il jouait pas à Mars, il jouait pas à Rennes, donc ça sert à rien. Là, comment ça se passe? Bielica, ça y est, il est parti. Il est parti à Guichard. Ouais, il a servi à rien du tout à Rennes. Donc il est retourné où il était avant. C'est mieux comme ça, je crois. Dans son ancien club. Son ancien, dans son ancien pays, je veux dire. Retiré de la sélection. Agnès Nkoukou, lui, il a fait que descendre. Depuis Everton, voilà. Il n'a pas vraiment eu de chance, en vrai. Et maintenant, il est même retiré de ma liste de sélection. Ouais, parce qu'il était observé avec Toulouse, mais il n'est pas assez fort pour Rennes. En vrai. Tac. Donc, bah, il n'est plus dans la sélection. C'est la vie. C'est la vie, on peut rien y faire. L'auteur ne semble plus s'inquiéter de son temps de jeu. Ouais, déjà, il joue plus qu'avec Stéphane. Ouais, c'est ça, il joue plus qu'avec Stéphane avant, hein, l'auteur. Avec moi, il joue bien plus qu'avec l'ancien entraîneur. Ah, il se fait disque jambier, lui. D'accord. Bon, bah, on va le traiter au club. Donc, il sera pas là pour le match de Monaco. Ribéry. C'est comme ça. Continuer l'affectation, continuer. Continuer. Là, on le retire de la sélection. Là, je le retire de la sélection. Continuer l'affectation. Continuer. Là, il a 26 ans déjà, ouais. On va le laisser de côté, mais bon. Lui aussi, on va le laisser de côté. Lui, je le retire de la sélection. Lui, je le retire de la sélection aussi. Lui, je le retire de la sélection. Continue l'affectation. Et là, on continue. Alors, comme vous voyez, on a un mélange de Toulouse et Rennes en ce moment. Parce que j'ai observé tous les joueurs que j'ai mis de côté à Toulouse pendant 4 ans. Sauf ceux qui ont été transférés à Toulouse, bien sûr, parce que, bah, ils sont plus dans la sélection. Voilà. Et j'ai là, maintenant, il y a les nouvelles observations qui sont liées à Rennes aussi en ce moment. Au même moment. C'est un truc à savoir. On a tout à fait les nouvelles sélections. Donc. En fait, en ce moment, il y a un gros mélange entre Rennes et Toulouse cette année, dans les observations. En plus de ça, on aura peut-être bientôt le nouveau budget. On aura pas tout de suite, d'ici 2 mois. Donc, en plus, ça va rajouter aussi des réobservations totales. Donc, ça pourra encore changer. Donc, voilà. Tac. C'est plein de choses à savoir qu'on observe. C'est pour ça que l'été dernier et cet hiver, j'ai pas fait beaucoup de transferts. Cet hiver, j'ai décidé de garder mon équipe. Et l'été dernier, j'ai pas fait beaucoup de transferts parce que, en fait, j'avais pas grand monde de près par rapport à Rennes. Parce que vu que tous les joueurs étaient observés à Toulouse, voilà, c'est ça le problème que j'ai eu. C'est ce qui s'est passé cet été. Mathieu Ryan, par exemple, mon gardien qui est à Rennes, c'est un joueur que j'ai observé il y a 2 ans à Toulouse, en fait. Je l'ai fait signer à Rennes parce que bah, je l'ai re-observé à Rennes, mais ça a été beaucoup plus rapide à re-observer à Rennes. Mais en vrai, il avait été observé avec Toulouse, ce jour-là. Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai fait n'importe quoi. Donc voilà. Après, les deux autres transferts, comme je vous l'ai dit, c'est des joueurs qui étaient à Toulouse avant. Kelvin Amiens et Colovis. C'est deux joueurs qui étaient à Toulouse qui sont arrivés à Rennes. Donc voilà. Là, Nadir, bon, lui était déjà arrivé quand je suis arrivé. Olivier Nikos, il était formé à Toulouse.
Voilà, formé à Toulouse. Kelvin Adnian, il a joué à Toulouse au début avec moi. Koulouis, c'est un ancien joueur de Toulouse l'année dernière. Mathieu Ryan, lui, il a été observé à Toulouse quand il était à Brighton. Mais il a signé à Rennes. Et Taibi, par contre, c'est une erreur. Il n'aurait pas dû arriver si vite que ça. Bon, c'est pas grave. Parce qu'il n'est pas si fort que ça. Lui, par contre, je me suis planté. En fait, je vous explique ce qui s'est passé. J'ai mis ajouter en joueur convoité sans faire exprès pour Taibi. Voilà, vous comprenez ce qui s'est passé. Sans faire exprès, j'ai mis joueur ça l'a recruté parce que ils ont accepté Dijon. Bah bon, c'est comme ça. Je me suis planté, ça arrive. Paris a encore fait match nul. Bon, faut en profiter. L'OM et Rennes, ils doivent en profiter pour reprendre encore des points. On a encore 2 points à aller chercher à Paris. Donc on peut se retrouver à 7 points du premier. Donc voilà. Tac. Donc Cyprien un peu ce Fofana. Ok. Parce que si Fofana est déjà suspendu. Et on va emmener Ulgad. On va emmener Ulgad avec nous. Tac. Assister à la conférence de presse. Alors cette rencontre que j'ai chier avec un sentiment de revanche par rapport. Ouais. Ah bah putain, désolé. Hop, il fait combien de degrés là? Il fait 22 degrés. Ok, parce que j'ai chaud moi. Après, ça va que je suis dans le bureau, donc normal, mais... Donc voilà. Là, on peut l'envoyer. Non, je peux pas. Non, je peux pas parce qu'il joue le même jour. C'est la dernière minute qu'il y a un autre blessé ou un truc comme ça. Je serai dans la merde parce qu'il sera plus là. Donc, ça n'intéresse pas. Ouais. Tac. Ça, c'est TNOM. Donc, l'OM, faut qu'ils en profitent de gagner ce match-là. Comme ça, ils reviennent à 7 points de Paris. Et moi, faut que j'en profite aussi pour revenir à 7 points de Paris aussi. Voilà, c'est surtout ça qu'il faut voir. Continue l'affectation. Ah, il a déjà 33 ans, lui. Ah ouais, c'est normal. Ça avance, c'est lui. Continue l'affectation. Là, retirer de la sélection, il n'est pas assez fort. Là, je le retire de la sélection. Là, je retire. Là, il n'y a pas beaucoup de joueurs de Toulouse qui arrivent à s'en sortir à Rennes. En termes d'observation. Non, lui, il n'est pas fini, donc on ne le met pas. Continuer. Continuer, hop, continuer, continuer. Lui, je le retire de la sélection. Lui, on continue l'affectation. Et là, on continue le travail. Donc, c'est pour ça que c'est assez long cette année en termes de. Non, si j'ai commencé. Ok. Donc, on est bon. On est très bien comme ça. Un message. Rennes 2 qui se distingue. Il y a Gomis qui a joué avec la réserve. Gazler. Sagnan et Jinjun, ce qui est logique. Jinjun, c'est un peu logique qu'il jouait aussi avec la réserve. Donc voilà. Et si, il y a Ruther aussi. D'accord. Allez, on continue. Ah, ils ont fait match nul, oui. Ça, c'est con. Donc, ils sont revenus qu'à 9 points. Bah, ils restent à 9 points en fait. Donc ça à moi d'en profiter, mais bon, je joue contre Monaco, ça va être compliqué. Je vous le dis, ça va être assez compliqué contre Monaco. En vrai. Très compliqué même. Hop, continuez. Allez, un message.
Allez, on continue. Monaco-Rennes, ouais, réunion tactique. Commencer, sélection de l'équipe. Bon, on va laisser comme ça. Allez, on est parti. Bon, Rennes, vous avez vu, Koulibaly, c'est plutôt un remplaçant de luxe. C'est pas un titulaire. À Toulouse, la dernière année avant que je m'en aille, c'était un titulaire. Même s'il a été remplaçant de luxe pendant 2 ans. Mais bon. Lo Celso. Oh, il est pas mal en équipe là. Très bonne équipe, en fait. Allez. On va voir ce que ça va donner. On va essayer de gagner contre Monaco, ce serait bien. Pour revenir un peu sur Paris. Même si c'est pas facile. Vu que c'est l'AS Monaco. Donc voilà. Et comme je vous le dis, on est quand même en transition pour l'instant avec Rennes. Si on fait une super saison, ça va être bien. Parce que moi, je me voyais pas être jouer la Ligue des Champions, être qualifié peut-être en Ligue des Champions dès la première année, en vrai. Pour l'instant, c'est en train de se faire, mais voilà. Et je me vois pas champion de France dès la première année aussi. Même si en ce moment, le PSG a fait des résultats plutôt mitigés. Allez, on nous demande plus. Parce que le PSG, c'est 2 matchs nuls d'affilée déjà. Que moi, c'est une victoire et un nul. En étant deuxième. C'est le nul, je continue à en nul pour l'instant, voilà. Allez, on va critiquer un peu. Et on va plus en parler pour l'instant jusqu'à la mi-temps. Donc j'espère. Oh, l'erreur. Oh, l'erreur. Putain. C'est pas vrai, ça. Oh, l'erreur de passe. J'avais dit que Monaco fallait faire gaffe. Voiture. Castillejo. C'est bon. Grosse erreur de passe au milieu. On s'est fait égaliser à cause d'une erreur. Non, c'est non, pas égaliser, mais. On perd à cause d'une erreur. Donc voilà. Là, on va rentrer Gad. On va rentrer Gad. Tac. Alors, encore une passe ratée là. Attendez, on perd 2-0 à cause de 2 passes ratées. C'est pas possible ça. Ce n'est pas possible ça. Il y a un problème là. 2 passes ratées les gens. Côté tactique remplacement, on va sortir voiture. Et on va mettre Olaninka, on va rentrer Koulouis. Je m'en doutais, comme par hasard, c'est comme ça. Quand ça veut pas, ça veut pas. Ouais, 3-0. Des grosses erreurs. On fait des grosses erreurs sur ce match-là. Guayane, il a que 6, le gardien. Putain. Bon, Cyprien. Et on va rentrer Glazer. Pas possible ça. Là pour l'instant, les résultats contre les gros, c'est pire que Toulouse l'année dernière. Toulouse, je me prenais plus des raclées comme ça à la fin. C'est pour ça que je vous dis qu'on est en saison de transition encore. On est entre les deux en fait. Allez, voilà Inka, c'est bien, il marque un but. Alors je pense pas qu'il revienne au score, mais c'est bien. Non, voilà. C'est très bien.
Bon bah, on va perdre. Deuxième défaite contre l'AS Monaco à mon avis. Cette année. Deuxième défaite d'affilée contre l'AS Monaco. Malheureusement. Alors, on se prend une raclée. Ah non, c'est bon, il y a un jeu. Ouf. J'ai eu peur. Bon, bah, on perd 3-1. Malheureusement. C'est la vie. Et on perd notre deuxième place. Voilà. On a déjà perdu 3-0 contre Monaco. C'est horrible. Ouais. Super. C'est horrible ça, de perdre 3-0 deux fois. Je vais voir ça, c'est tout. Je vais voir Toulouse, ce qu'ils ont fait contre Monaco l'année dernière. Là, ils avaient gagné 4-2 contre Monaco le dernier match. Après d'être parti. Et le match aller, ils avaient perdu 2-0, ok? L'année d'avant. Ils avaient gagné 2-1. Et le match aller, ils avaient gagné 4-0 Monaco. À Toulouse. Et la deuxième année, par contre, c'était plus compliqué. Avant d'être remonté, ils avaient fait 1-1 au match aller. Et match retour, ils avaient perdu 3-1, ouais. Bah, donc en fait, sportivement, Rennes fait pire que Toulouse. C'est ce que je pensais bien. Quand je regarde la différence, Rennes fait juste pire que Toulouse. En contre les gros. Toulouse était plus régulier. Donc, ce qui veut dire que pour l'instant, le départ de Toulouse pour aller à Rennes, c'est très mitigé. Parce que je suis mieux placé au classement, parce que contre les petits clubs, je me démerde mieux. Par contre, en termes de résultats contre les gros, c'est plus difficile qu'à Toulouse. Donc, ouais, je sais pas quoi dire. Donc, aujourd'hui, ouais, c'est mitigé. Après, la saison n'est pas finie, c'est sûr, mais bon. Pour l'instant, la saison n'est pas finie, mais elle est un peu. Ouais, c'est moyen-moyen, on va dire. Retirer de la sélection. Là, je te retire aussi. Voilà. Allez, un message. Ouais, bah, on a perdu notre deuxième place du championnat. Malheureusement. C'est la vie. Fallait s'en douter que ça allait arriver. Allez. Allison, qu'est-ce qu'il fait? 15 matchs, un but. Les 3 passes décisives, 7-0-1. Ah, le Havre, c'est bien. C'est bien, ça va. Aïe. Hop. Parfois, elle continue à acheter le jeu. Ouais. Je sais pas pourquoi ils achètent comme ça, mais.
Ok. Donc, hop. Continue l'affectation. Là aussi. Là, je te retire. Là, je continue. Là, je continue. Là, je continue. Là, on continue aussi. Là, je te retire. Là, on continue. Là, on continue. Là, je te retire aussi. Là, c'est bon, tu restes. Là, on continue. Là, je te retire. Là, on continue. Là, je t'ajoute, par contre. On continue. Et voilà. Hop, là. Ouais. Ouais, il n'y a rien à voir. Il n'y a que du transfert des offres. Le joueur que j'ai sélectionné, c'est des joueurs dans ma sélection, ça, mais voilà. Tac. Ah, il arrive à Sochi, Yordan Ayew. La fin de l'année, il part à Sochi, lui. Tac. Allez. Là, on continue. Là, on continue l'affectation. Là aussi. Là, je continue. Odger, on continue. Là, on continue pour Kostas Manoulas. Là aussi. Là aussi. Et Gabber, on continue. Voilà. Ah, il a été renvoyé de Brest de Loguillot. C'est qui pourrait reprendre Brest? Ouais. Donc on arrive tentative vers le 1er mars, les gens. 2025. Ça, c'est bien, par contre. Allez, un message. Allez, on continue. Allez, on continue l'affectation. Là, hop, accusé de réception. Là, on va l'ajouter. Il est que, ouais, il a 26 ans, je te pourrais dire. Il a 17 ans. Bah non, quand même pas. Là, je te retire parce que t'es pas assez fort. Là, on continue. Là aussi. Là, on continue l'affectation. Là aussi. Là, on te laisse de côté. Mais bon. Là, je continue. Ok. Ah, Monaco qui est passé en demi-finale. En finale. Finale de Monaco contre. Je sais pas qui. On verra. Je sais pas qui c'est à deux. Ah, bah si, il doit être déjà fait le match. Je pense que c'est Monaco PSG. Je sais pas. On va aller voir. Coupe de France. Ah non, il n'a pas joué le match encore. On le joue quand le match? Bah aujourd'hui, d'accord. Ancien vainqueur. Ah ouais, d'accord. Paris Saint-Germain, Paris Saint-Germain, Paris Saint-Germain, Paris Saint-Germain, Paris Saint-Germain. D'accord. Il n'y a pas de jaloux comme ça. D'accord, c'est pas mal. Allez, 13 messages. Il y a 4T, ouais, il signe, ouais. Là, on continue. Là, je te laisse de côté, mais bon. T'es pas exceptionnellement fort. Continue l'affectation.
Là, je te laisse de côté. Là, on continue l'affectation. Là, on continue aussi. Là, je te laisse de côté aussi. On continue. On continue. Là, on continue. Allez, il reste trois matchs, trois messages. On va l'équipe type pour la telle quelle, ok. Et enfin, notre conférence de presse. Ok, voilà. Allez, on continue. Donc là, prochain match, c'est contre la SSE. On va voir ce que ça va donner, tranquillement. J'espère qu'on va gagner ce match. Parce que pour l'instant, contre les gros, c'est assez difficile. On a battu Cloem dans les trois premiers, donc dans les cinq premiers, pour l'instant. Donc c'est pas exceptionnel. Malheureusement. Voilà, tac. Alors, 17 messages là. Là, on continue. Là, on retire de la sélection, il n'est pas assez fort. On continue l'affectation. Il joue à Krasnodar lui maintenant. Ah, bah oui, il a jamais été à l'OM, Encham, c'est vrai. J'ai juste oublié ce détail. Il a jamais joué à l'OM, lui. Dans cette partie-là. Continuez, continuez. Là, on le laisse de côté. Aventure. Continuez, continuez, continuez. Là, on continue. Là, on le laisse de côté. Là aussi, on continue. Là, on continue. On continue. On continue. Là aussi. Voilà. On va féliciter les jeunes. Donc voilà. On va féliciter notre petit jeune. Ils ont gagné 3-0 Rennes. Au Paris. Bon bah voilà. Malheureusement. C'est la vie. Deux messages. On va voir l'Europe, Coupe d'Europe, Coupe des Champions pour commencer. Le Real, ouais. Le PSG qui perd 1-0 contre l'Inter. Monaco, Sporting Portugal, OM Napoli. Ouais, super. Et Lille PSV Eindhoven pour le deuxième tour, ok. Et l'Eurocup 2, Toulouse Krasnodar. Ouais. D'accord. Là, on regardera le 1er avril maintenant. Voir ce que ça donne. Tranquillement. Donc, on peut les envoyer. Voilà. Je vais faire l'inverse en fait. On va les mettre en match amical, ça va être plus simple. Ils sont, physiquement, ils sont moins forcés en vrai. Voilà. Continue l'affectation. Et on va féliciter Gomis. Tranquillement.
18 messages, ok. Là, on le laisse de côté. Et lequel j'ai un nom, donc il est un peu vieux. Continuer. Lui, je le retire de la sélection, il vaut rien pour le club. Continuer. 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 Là, on le laisse de côté, il a 26 ans. Ok, continuer. Continuer. Là, on continue. On continue. Là aussi, et là aussi. Et là, accusé. Accusé. Continuer. 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 Accusé. Observer. Là, accusé. 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 On continue. Accusé. 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 Merde, j'ai passé. Tant pis. C'est pas grave. Eric Bélier ne peut pas être là. Ok. Donc, tout le monde peut revenir sauf Eric Bélier. C'est que Fofana, je vais le mettre à la place de Rutter. Comme d'hab, c'est plus simple. Et c'est bon. On est parti comme ça. Donc j'espère qu'on va gagner contre la SSE. Ce serait bien. Déjà pour moi et pour la suite de la saison. Donc voilà. Donc allez, on est parti. On en demandait plus. Allez, on mène 1-0 grâce à un but de Cyprien sur coup franc, ça c'est bien. Je suis content, ça. Un but correct. Ça c'est bien. Et pour l'instant, on revient deuxième. Avec un match en main sur l'OM. Donc bon, voilà. Alors on mène 2-0 contre la SSE les gens. Un but de Castillejo. Super. C'est bien. Je suis très content du moment de la rencontre, voilà, impeccable. Voilà. Il y en a 2-1, Saint-Étienne. Donc toi, je vais te critiquer. Toi, je vais te critiquer. Toi, je vais te critiquer. Voilà. Ah, voilà, impeccable. Allez, 3-1. Et on va sortir le 3 joueurs à 6-4. Allez, Mio, tu vas sortir à la place de Dan Glazer. Voitio, il garde. Et Globo, on va mettre William Cyprien. Et Cyprien, on va rentrer Bouéjo. Voilà, impeccable. Bon, allez, on gagne 3-1 contre Saint-Etienne. Bah tiens, l'OM a dû commencer à jouer parce qu'ils sont repassés devant moi. Donc ils ont dû jouer... C'est bizarre ça.
Il y a Lens qui est quatrième, si je viens de le voir. Lens qui est quatrième du championnat. Toulouse toujours neuvième. Ça ressemble à la première saison que j'avais Toulouse. Ah ouais. Sauf que Julien Stéphane a moins de chances de se faire virer qu'à Rennes parce que l'objectif de Toulouse c'est toujours de rester dans le milieu de table, milieu de classement en fait. Donc il est bon. Il a ses objectifs à Toulouse, Julien Stéphane. Donc voilà. Donc bon. Allez, 4-1 contre Saint-Étienne. But d'Olayinka. C'est même un doublé d'Olayinka, je dois le voir. Bon allez, on a gagné 4-1 contre la SSE, ça c'est bien. Elle est impeccable. Donc on revient deuxième. Tac. Ah, mais quel endroit était renvoyé de Reims. D'accord. Ah si, sur la sellette, Julien Stéphane à Toulouse. Il est sur la sellette en fait. Je pensais pas qu'il était sur la sellette. C'est là, hop. Et ah non, il est stable. Qu'est-ce que ça raconte? Il est stable, Julien Stéphane. Ils disent n'importe quoi. Il raconte n'importe quoi là. Ouais. C'est quand même pour son victoire. C'est là. Non, même pas. Je sais pas où on voit ça. Ouais. D'accord. Bon. On va féliciter Olaninka. Et on continue. Ah, Lyon a perdu 2-0 contre Lille, d'accord. Eh ben, je comprends mieux pourquoi Lyon est passé derrière moi. Je comprends mieux. Et l'OM a gagné 3-0. Mon prochain match est contre le dernier du championnat, Amiens. Et ouais, Ninka. Ah, ouais, Ninka, il arrive derrière, ouais. Deuxième meilleur buteur du championnat, c'est ce que je pensais bien. Avec ses 17 buts. Donc voilà. Hop.
Allez, 16 messages là. Continue l'affectation. Là, on continue. Là, on continue. Là, on continue. Là, on continue. Là aussi. Là aussi. Là aussi. Ah, on va le mettre de côté. Ah non, il est déjà, donc c'est bon. Lui, je le retire de la sélection. Là, on continue. Là, on continue. Ajouter à la sélection. Lui, je le laisse. Et là, on a ajouté la sélection. Ok. Sais pas si on aura le temps d'aller jusqu'au prochain match. Je pense que si. Si, à l'aise. On pourra faire le match contre Amiens. Et après, on arrêtera. On arrêtera sur FM et on reviendra dessus que normalement, si tout va bien, ce sera que jeudi prochain. Après Football Manager 21. Jeudi matin. Voilà. À part si ma mère a travaillé dimanche matin comme les deux derniers dimanches, mais j'y crois moyennement. En vrai. 24 matchs, 3 buts, 4 passes décisives. 7-0-9. C'est bien. Donc c'est soit dimanche matin, soit jeudi prochain. Le matin aussi. Je risque de live jeudi prochain de 10h jusqu'à 14h peut-être. Voilà. 14h30 au plus tard. Mais bon, on n'est pas là. Et je ne ferai pas que FM si c'est de 14h, de 10h à 14h30. On fera deux jeux. Tac. Là, non. Continue l'affectation. Là, non. Je te retire de la sélection. Continuer l'affectation. Continuer. 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 Là, je te retire de la sélection. Là, on retire de la sélection aussi. Continuer. Là, on continue l'affectation. Là, on continue. Là, on continue. Là, on continue. Oui. Il a un club, lui, André Villas-Boas. André Villas. Ah, c'est le directeur sportif de Rio Ave. D'accord. Maintenant. Ouais, mais c'est pas lui. C'est pas le bon. Attendez. Ah non, c'est lui. C'est l'entraîneur de Vigo. Ok. Le disais bien. Ça correspondait pas. Ça ne correspondait pas du tout, sinon. Ah oui, j'ai oublié de vous le préciser, il y a un club qui pourrait me faire partir de Rennes en France aujourd'hui, sinon c'est à l'étranger. C'est l'OM. Si l'OM m'appelle, j'irai là-bas. Voilà. Donc l'année prochaine, il y a trois solutions. Soit je pars à l'OM, soit je reste à Rennes, ou soit je pars à l'étranger à la fin de l'année. Donc c'est possible que je fasse qu'une saison à Rennes, faut pas l'oublier. Mais bon, je pense que il y a. On va tirer de la sélection. Je pense que je vais vous dire la vérité, il y a 75% de chances que je reste à Rennes à la fin de l'année. En vrai. Je peux vous le dire. 75%. Parce que si c'est tout sauf du. Si tout club sauf du. L'OM étranger, je reste. Donc voilà. Et bien sûr, étranger plus fort que Rennes. Parce que si c'est pour aller en deuxième division, c'est pas la peine. En vrai. Si c'est pour aller me planter en deuxième division, non. De toute façon, ça n'arrivera pas, mais. Voilà. Tac. On va tirer de la sélection. Donc, ça peut se jouer entre l'OM, Rennes et un club étranger plus fort que Rennes, en fait. Au moins en première division étrangère, en fait. Ce sera allemand,
Je vise le championnat allemand, italien, espagnol ou anglais pour la suite. Voilà. Et j'espère que ça arrivera que je m'en aille à l'étranger avant la fin de Football Manager 21. J'espère. Normalement, ça devrait être possible parce que là, on est déjà en mars 2026. La sixième saison va bientôt commencer. Donc oui, je pense que ça va être légèrement possible. En rythme qu'on va, à mon avis, on peut faire encore 3 saisons. 3 ou 4 saisons. Et peut-être qu'on pourra même faire 10 saisons. À l'aise. Voilà. Horrible combat. Même si on joue moins qu'au début de. Qu'en novembre dernier. Bien sûr. Parce qu'en novembre, on jouait plus à Football Manager 21. Mais c'est ce qui est arrivé en 22. Pendant le 22, vous allez être. Il y aura pas mal de Football Manager pendant quelques jours. En vrai. Peut-être quelques semaines. Pour le 22. Mais ça, on verra ça, au mois de début novembre, je pense, ou fin octobre. De toute façon, il n'y a pas de date officielle encore, donc voilà. Mais par contre, pour le 22, comme je vous l'ai dit, j'ai des projets dessus. J'ai des projets, j'en ai déjà parlé à Tokita, j'ai des projets plus poussés que celui-là, en termes de gameplay. Parce que je vais prendre l'éditeur avec le 22. On va prendre l'éditeur et on va créer. Et pendant un live, avant, au tout début du 22, quand le jeu sera sorti, on fera un live spécial création de roues. Voilà. Avec des malus et des bonus pour l'effectif que je vais contrôler. Mais ça, on verra ça au mois d'octobre. Voilà. Je pense que ça pourrait rajouter des trucs qui pourraient être pas mal. Mais là, par contre, il faut que je prenne l'éditeur qui coûte 5 € en plus du jeu. Mais bon. C'est pas encore très gênant. Donc, il peut avoir des bonus comme un club. Je prends par exemple, je vais à l'OM. C'est prévu ce soir à l'OM. De toute façon, on prendra l'OM. Et dès la première saison, la roue peut être un bonus comme rajouté, comme pas se faire acheter, mais que l'actionnaire débloque je sais pas combien de millions d'euros, tu vois, en marché de transfert. Des trucs comme ça. Voilà. Mais ça peut être aussi des malus comme on perd notre meilleur joueur. C'est ce que je veux faire pour FM22 en fait. Et cette roue-là, ça va être une grosse roue. Je pense que je vais prévoir ça, je vais faire une grosse roue qui va tourner tous les ans. Et peut-être qu'avec les points, on va rajouter une petite roue pour les points, pour les viewers, pour la faire tourner aussi. Mais ça, ce sera par viewer en fait. Je vais essayer de régler de manière que ce soit que une fois toutes les heures. Voilà, comme ça les viewers, on n'en profitera pas trop non plus parce que voilà. Et cette roue-là sera moins sévère par contre. Par exemple, ça peut être un joueur se blesse pendant plusieurs mois dans la roue du jeu. Voilà. Ou on verra ça. Tout ça, c'est prévu de toute façon. Tac. Hop. Continuer l'affectation. Continuer. Ça ne demande un rapport. Continuer. Là, on s'en fout. Continuer. Ça va peut-être changer un peu le contenu du live. Je pense que ça pourrait être moins ennuyé ce système-là de roue. Et en plus, ça fera participer tout le monde. En plus de moi. Mais bon, on verra ça. Hop. On verra ça au mois de. Pour FM22. Pour l'instant, on n'est pas là. Je sais pas si vous aimez pas mal. Alors, c'est un mix, c'est un concept qui est un peu pris de Expérience FM, mais lui, il fait différemment. Expérience FM, il l'a fait, mais pour une équipe qu'il a créée de A à Z avec des noms de viewers. En fait, moi ce serait différent, ce serait assez différent. Ce serait pas vraiment le même système en fait. Après, la grosse coupe, elle peut être un peu spéciale parce que si c'est tombé sur le budget de transfert de 500 millions d'euros tous les ans, là par contre il y aurait un problème. Donc j'espère pas que ça arrivera aussi, ça. On verra. Sinon, je l'enlèverai.
Et on le changera. Ouais, ça peut être intéressant. Bon, on verra. On s'en verra le jour J. Pour l'instant, le jeu n'est pas sorti. Donc voilà. On verra ça le jour J. Moi, j'en gagne 4-1, Paris. D'accord. On va faire le match contre Amiens. Ça, c'est sûr. Et après, on arrêtera. On arrêtera, donc on doit aller jusqu'à 16h30, mais exceptionnellement, on va arrêter un peu avant. Pourquoi? Parce que je voudrais faire 1h30 de Planet Coaster. Parce que 1 heure, c'est trop peu, surtout qu'on a 3 parcs à faire en même temps. Et je voudrais passer une demi-heure au moins, minimum, maximum une demi-heure par le parc, en fait. Sur le live, voilà. Donc, voilà. Et minimum 20 minutes. Donc voilà. C'est pour ça que je suis obligé de faire 1h30 de Planet Coaster. Hop. Donc là. Ah oui, j'oublie le même jour, c'est pas la peine. Ok. Continuer affectation. Continuer. Là, on le laisse. Là, continuer. 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 Je sais que j'ai des petits projets pour le live aussi dans l'avenir. Autre que. Je voudrais voir. On verra. Bah, pour l'instant, il n'y a pas grand monde. Donc, j'en parlerai plus tard quand il y aura un peu plus de monde. Je veux des habitués en vrai. J'en parlerai plus tard quand il y aura des habitués sur ces. Pour poser mes idées, voir ce que ça peut penser. Donc voilà. Ah, c'est les... Oh là! Ah, il y a une bonne pépite. Étienne Robert, 4 étoiles. 1 étoile et demie. Pareil pour Aboulaye Dendiaye. Pour les autres, sont un peu moins forts, mais bon. Mais bon, on verra ça. De toute façon, j'assiste jamais au match. C'est mes recruteurs qui y vont. Ça m'intéresse pas d'assister au match, en fait. Ça me sert pas à grand-chose, en fait. En vrai. Hop, deux messages. Ok. Et 15 messages. Continue affectation. Là, on continue. Là, on continue. Là, on continue. Là, on continue. Là, je le retire. Continue. 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 Ajouter la sélection. Il est pas mal ce joueur. Bon, il est pas à vendre, mais retirer de la sélection par contre, lui. Là, on continue. On continue. Et on continue. Confirmer. Bon, ben, on va repartir avec. Ah, Bailly peut revenir par contre. On va le mettre à la place de Glazer. Non, on va le mettre à la place de Glazer. Elle est impeccable. Donc, dernier match de la journée pour ce live-là de Football Manager 21. Après, on décalera sur Planet Coaster. Et voilà. Tranquillement. J'espère qu'on va battre Amiens. Malheureusement, je m'aperçois que Amiens, ils sont remontés la même année que moi, mais là, c'est compliqué cette saison. Ils sont remontés la même année que moi avec Toulouse. Sauf que Toulouse, bah, eux, ils continuent. Bah, vu que c'est un club quand même bien formé, donc bah, à Toulouse, ils font une très bonne saison, vous voyez. Ils font 9e, moi, cette année encore.
que Amiens, bah eux, bah ça se voit que c'est pas moi qui étais l'entraîneur. Malheureusement. Et là, ils partent en Ligue 2. Voilà. Malheureusement. Et ça faisait. Bah, c'est leur quatrième année en Ligue 1 à Amiens. Comme Toulouse, ils sont arrivés la même année, donc ça fait 4 ans tous les deux. Allez, on mène 1-0 contre Amiens. Et c'est un but de Voitio, mon milieu offensif gauche. Allez, on mène 2-0 contre Amiens. C'est Peter Onyeka qui marque. Allez, on continue. Et pour l'instant, on reprend la deuxième place du championnat derrière le PSG à 10 points. Mais bon. Allez, 3-0 avec un but de Marvin Vatio. Donc voilà. Je vois pas, il y aura 4-0 quand même. Ah non, bah, je sais pas, ça veut rien dire. Il a failli avoir 4-0 en fait. Il a failli. Ah, la défense de Castillejo est pas mal pour un milieu offensif droite. C'est une bonne défense quand même. Je suis très content de votre prestation. Voilà. Allez, on continue. Allez, 4-0, but de Samu Castillejo. Et Kevin qui a fait deux passes décisives derrière, je viens de le voir. Ancien joueur de Toulouse. À Rennes, il joue à droite, je suis en train de voir. Il joue pas à gauche. Toulouse, il joue à gauche. Et c'est le même joueur. Sauf qu'il joue pas au même poste avec Rennes. Bon, on va rentrer Koulouris. Bouygues et Sagnon. On va rentrer un par poste. Tac. Voilà. On vient de faire ça, mais bon, c'est la fin du match. Bon, bah, le match est terminé. On a gagné 4-0 contre Amiens. Bon, score potable, score correct. Je suis très content de votre prestation. Vous avez dû apprécier, bah oui. Donc bah on sera le deuxième devant l'OM. Bon, l'OM a un match en retard, bien sûr. Hop, on va féliciter mon jeune Boitio de 19 ans.
Et on va assister à la conférence. Voilà. On avance un tout petit peu. Donc voilà. Bon, allez, on va arrêter là sur Football Manager 21. Donc, pour ceux qui ont vu la rediff de live sur FM 21, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle rediff et une nouvelle VOD. Allez, à plus au monde!